Alors nous sommes toujours en direct de ce MPS vers Neustadt. On va s'approcher de la Suisse. Bonjour la Suisse, comment allez-vous? Alors vous êtes... tu surtout fais pas de bêtises. Hein. Alors tu es venu encore une fois de plus nous rendre visite pour ce Mega Poker Series. T'es pas venu tout seul comme d'habitude. T'es venu en famille. Parce que c'est toujours une grande famille qui se déplace sur tous les Mega Poker Series. Alors, raconte-nous un petit peu comment ça se passe. Tu viens d'arriver, t'es avec Théo, t'es avec Dany aussi qui est là-bas. Vous êtes tous les trois là présents encore cette fois-ci. Comment ça se passe pour toi ce début de tournoi? Pour le moment, ça se passe plutôt mal parce que je viens de perdre une main assez fort au départ. Je me suis fait bluffer avec contre 2-3. Il a floppé le 7 de 2. Mais autrement, la journée est longue. On a le temps de voir venir. On attend de récupérer et d'attaquer la journée 2 demain, j'espère. La journée 2, bon, demain c'est le D1B, on espère que tu ne seras pas là. C'est deuxième journée demain, enfin deuxième D1 plutôt. Le D2 ça sera après-demain, donc on espère pas te voir demain. Est-ce que toi qui as l'habitude de jouer les Mega Poker Series, est-ce qu'au fur et à mesure de toutes ces compétitions que tu as disputées, bah, finalement tu rencontres un peu les mêmes gens, on se sent dans une espèce de grande famille, une espèce de fraternité. Comment tu décrirais un peu cette ambiance des Mega Poker Series qui est un petit peu toujours festive et très sympa au fur et à mesure? Moi je trouve que c'est très agréable parce qu'on rencontre plus ou moins pas toujours les mêmes, mais souvent les gens qu'on connaît de différents pays, parce qu'on a différentes stations qu'on visite. Et ça fait grand plaisir que des gens de la France, Belgique, l'Italie, l'Espagne, un peu n'importe où qui viennent. Et on apprend toujours quelque chose. Et ouais, on peut dire que c'est une petite famille. C'est ça. Avec, il y a toujours des nouveaux joueuses qui sont là aussi. Alors, moi, je trouve que ça fait plaisir parce que autrement on se déplacerait plus. On se déplacerait plus. Ouais. Bon. Et ben, en tout cas, c'est très sympa. On va te souhaiter une bonne continuation dans ce tournoi. Espérons que ça se passe bien pour les couleurs de la Suisse, comme d'habitude. On vous rappelle donc qu'il y a trois représentants suisses qui sont présents pour le moment, enfin, du moins de ceux qu'on connaît, qu'on appellera la bande Athéo, puisque c'est notre ami Big Moustache qui est le fer de lance un petit peu de cette équipe. On espère que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. N'oubliez pas, vous pouvez également suivre le live streaming sur le site team.turbopoker.fr et également sur le site megapokerseries.com. Pour le moment, live streaming uniquement en allemand. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente journée.